Je relance, bonjour YouTube, je relance pour YouTube. On va essayer de faire la suite. Bon, alors du coup, on avait ouvert Exeditor pour voir si ça pouvait fonctionner. Ça fonctionnait pas trop. J'arrivais pas à le faire fonctionner du moins. Donc on a le fichier emily.jpg qui est le dernier. On a a.txt aussi. On a 1000.zip. J'espère que c'est pas point rare. Et du coup, on a essayé de faire une sorte de topo dans le dernier, la dernière heure, pour voir justement si ça fonctionnait ou pas. Ça fonctionnait pas trop. Je pense qu'on peut relancer du coup comment ça s'appelle le. Voilà, on va résumer exactement. Donc on en était à là. Je pense que là on a dépassé l'heure. On est à 30, 26, 20, 30, une heure, je sais plus exactement. Voilà, il y a écrit de toute façon, hein, je vous laisse regarder. Du coup, on avait regardé un peu sur l'Exeditor et ça n'avait pas l'air de fonctionner. Je vais remettre la musique d'Euronews et on va se remettre dedans le bain, histoire que ce soit bien efficace. Voilà. Je vais couper FreeCodeCamp et on est parti pour refaire une boucle de Euronews Weaver World Theme qui normalement devrait passer sur. Donc on a essayé de concaténer, parce que c'était le terme qui était proposé d'ailleurs, qui permet de joindre par concaténation. Je sais pas comment on dit, mais. Voilà. Et on n'avait pas réussi. Donc on va essayer de chercher directement la solution, parce que là c'est bien compliqué. Donc on est au niveau 28 de ouverture facile. J'avais récupéré Exeditor exprès pour ça, mais du coup je vais le désinstaller. Hop. Donc on revient sur le site de tout à l'heure. Voilà. Merci pour la pub, c'était très gentil. Donc on reconnaît des fichiers texte JZIP et JPG. Donc on met le texte, oui, donc ça c'est ce qu'on a fait dans la barre d'adresse pour télécharger ces fichiers. L'indice nous suggère un logiciel Exeditor, on peut le télécharger ici, on peut essayer d'ouvrir le fichier A-Text avec un éditeur de texte. Ça, j'ai déjà fait. Il est complètement indéchiffrable. Cependant, on remarque au milieu une très longue suite de zéros, ce qui n'est pas normal. Ça, on l'avait vu. Donc, ça veut dire que c'était corrompu. Et donc, on peut penser que le milieu du fichier est détruit, alors que le début de la aide et la fin sont normaux, bien qu'indéchiffrables. Donc, on a exactement l'addition plus ou moins qu'on avait compris. On peut donc supposer qu'il en est de même pour le fichier 1000.zip. En effet, on ne parvient pas à le décompresser. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. Il manque donc une partie du fichier. Ce doit être le début et la fin, à l'inverse du fichier A-Text. Il s'agit donc de recombiner les deux fichiers, par exemple en injectant ce que contient le 1000-zip au milieu du fichier A. Mais comment faire ça? Avec Exeditor, ouvrez séparément chacun des deux fichiers. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait, sélectionner l'ensemble des lignes. Ah, fallait juste les copier-coller? Non. Bah voilà, on va essayer de faire ça. Maintenant que j'ai Exeditor, on va essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. Alors, je relance l'appli. Oui. Est-ce que vous voulez bien que je relance l'appli, monsieur? Merci. Il va se réafficher, on va essayer de le faire. Si c'est juste copier-coller, ça va. Je pensais que c'était plus compliqué que ça, du coup. C'est pas concaténé, apparemment. Du coup, on va prendre le A et le 1000. Du coup, la ligne des 0, la ligne des 0, la ligne des 0. C'est où, c'est où, c'est où? Voilà, ici. Donc, ça commence ici. Ok. Donc ça c'est pour juste savoir jusqu'où ça s'arrête. Voilà, jusqu'à A7. Donc tout ça c'est les. Alors 0 c'est 30 apparemment. Donc, du coup celui-ci on prend pas? Si? Bah si. On commence ici. Ok. Et le 1000, du coup.
Ça doit être à peu près les mêmes zéros, non? Je prends juste tout ça. Oui, c'est ça, c'est jusqu'à A7. Ok. Donc je fais copier. Le texte copié dans une presse papier a été filtré. Il contenait des caractères nuls. Ok, si tu veux. Et on va de E8 à A7 et on va coller tout ça. Ok. Et du coup, après, grosso modo, on a juste enregistré. Puis fait file, c'est... Ah, ok. Et après, je peux l'appeler comme je veux, c'est ça? En ajoutant et sauver le... Ok. Et ben, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, hein, sauver, enregistrer sous. L'appeler emily.jpg. On va enlever l'autre, celle qu'on avait récupérée du coup. Oui. Je vais voir si du coup on voit un peu mieux. Alors si c'était juste copier-coller, bon ça va en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. On va voir si ça a bien recontacté le... Enfin, recontacté. Faut que j'arrête d'utiliser ce terme. J'y arrive pas. On va voir si ça a bien fonctionné. Alors, mon fichier photo. Ok, alors je veux... Je sais pas si je le montre peut-être rapidement. D'ailleurs, il est où mon fichier photo? Là, il n'y est pas. Non, 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 Chrome, non. Alors, je vais rapidement le faire. Je vais déplacer ça. Je vais mettre ici. Ça, c'est la nouvelle fenêtre hein, qui va s'afficher, mais je vais vous montrer très rapidement, histoire que on n'ait pas de problème Twitch, Twitchien. Hop, 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 photo. Voilà, donc c'est cette photo-là. Donc on peut voir Kitty. Ok. Donc c'est Kitty.htm. Fallait juste copier-coller. C'est cool. Je pensais que c'était plus compliqué que ça, donc du coup c'est bien. Je ferme ExEditor et on revient ici. On va écrire Kitty en haut. Et on croise les doigts pour que ce soit plus de la retouche horrible. Alors 92 370, 92 370, c'est où? Chaville. Tiens, il habite ici, Chaville, c'est ça? Non, je n'ai pas le bottin de chaque région. Bah oui, mais ça, on vient de le vérifier. Appuyer où? Ça veut pas cliquer. Ah, j'ai double-cliqué sur... Ah mince, j'ai double-cliqué sur le split. C'est pas 92 370? Si, il y a marqué hein. Chaville, 92 370. Pourquoi ça veut pas marcher? Faut que je clique où? Il y a deux L. Oui. J'ai copié-collé en plus. Tu n'as pas le beau teint de chaque région, mais nous l'avons grâce à Google. C'est où qu'on clique?
Faut que je mette une majuscule peut-être. Non. Faut pas que je mette de majuscule et ça veut pas rentrer. Ça veut pas être accepté. Il est où le OK là? Il est nulle part. Je comprends pas. On va devoir regarder la solution pour ça, sérieusement. Non. Et du coup, c'était 9, 29 celle-ci. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait 297. Oh non. Bah oui, en fait, tu cherches, tu écris. Code postal, Chaville, saisissez-le sur le panneau, validez en cliquant sur le bouton central. Ah, voilà, il fallait trouver le bouton qui est ici. Ok. Alors, Dame, Valet, Roi. Ok. Pique. Alors, ouais. Trèfle, pique, pique. Trèfle, pique, trèfle. Carreau, carreau. Cœur. Ok. Jeu de cartes. Si je clique, ça fait quoi? Ça fait rien. Là, on tourne juste à chaque fois qu'on est dessus. Là, il y a écrit quelque chose. 2. S. 1. D'accord. Alors, on va faire une petite note. Je vais fermer A parce que je l'avais toujours ouvert. Hop. Ouverture facile. Niveau 30. Rajouter capture de fenêtre qu'on puisse noter et que vous puissiez regarder en même temps. Salut Rilwan, coucou, c'est dommage, je pensais à vous quand j'ai trouvé une femme assez spéciale par hasard, mais je pouvais chuchoter sur... Quoi? Tu pouvais chuchoter sur Twitch uniquement? Et du coup, t'as pensé à quelle personne que je le note pour tout à l'heure, parce qu'on va revenir tout à l'heure justement dans l'après-midi, enfin dans la soirée plutôt. Hésite pas à me l'envoyer, comme ça je le note. Là, je suis en train de faire ouverture facile, ce qui est déjà très complexe en tête. Mais hésite pas. Alors, du coup, niveau 30, on avait dit qu'on allait noter. Donc, du coup, la dame de cœur, par exemple, elle a 3. Donc, hop. D3. Cœur, d'ailleurs. C3. Valet de cœur. C'est. On va regarder tout. Je vais tout noter en fait. Je vais zoomer comme ça. Tout le monde sera au courant. Tu pouvais pas chuchoter sur Twitch. Ah oui, c'est possible que j'ai enlevé les chuchotements. Mais hésite pas à discuter dans le chat. Après, il y a aussi le Twitter maintenant. Hésite pas non plus à utiliser le Twitter. Je crois qu'il y a toujours. Si tu le vois pas, tiens, je te l'envoie. Si tu veux me l'envoyer sur Twitter. Si tu l'as, déjà. Et sinon, sinon, on est là comme d'habitude, en fait. Comme d'habitude, le jeudi, normalement, bon, sauf cette semaine, et le dimanche, après-midi, si t'es libre. Donc, ok, alors, V, c'est 6. Peut-être qu'il faudrait que je le range. Ok, roi. De carreau. Le roi de carreau, c'est 1. Ensuite, c'est valet de trèfle. C'est S, je crois que c'était S, le valet de trèfle. Ou 5. C'est un 2, ça? On dirait un S à l'envers. 2 ou S à l'envers. Je vais le noter comme ça, parce que on va se perdre sinon. Violette Maurice, ok, je le note. Il y en a pas mal hein, qu'on peut trouver en plus. Regarde, je le note même directement en face de toi. Et on regardera ça tout à l'heure. Pac. Donc, roi de pique. Là, c'est une énigme, je sais pas si tu connais Ouverture Facile. Si tu connais pas, hésite pas à jouer.
C'est la fin d'ici le 31, vu que c'est ouvert. Pourquoi je dis ouverte? C'est ouvert. Tu. Et en fait, c'est un jeu d'énigmes. Il y en a 15 millions. Je fais une sorte de faux speedrun là pour que je dis pas 15, enfin 15 millions, c'est faux. Hein. En fait, il doit y en avoir 93, 94. Mais l'idée, c'est de trouver toutes les. Ah, tiens, il y en a une qui n'en a pas. Et c'est Dame de Pique. Pourquoi? Et il faut trouver en fait le sens des énigmes pour pouvoir passer au niveau suivant en fait. Là, par exemple, il y a le jeu de cartes. Du coup, je note tout pour pouvoir bien comprendre tout. Et ensuite, il faudra déchiffrer un peu ce qu'on a trouvé avec les chiffres, tout ça, peut-être les mettre dans l'ordre, etc. Et voir si on peut justement y arriver. Alors, dé de trèfle, hoki, valet de pique. Y a pas. Alors, donc les piques, ils ont rien. Roi de trèfle. Je t'invite à regarder les autres replays si tu veux checker celui de dimanche qui était déjà très compliqué parce qu'il y en avait eu deux. C'était sur du code. Là, on vient de faire une heure en plus sur. Enfin, je viens de faire une heure sur. Sur. Non, mais t'inquiète, si t'es occupé. Quand t'as le temps, hein. Moi, je te force à rien. Ouais, je viens de passer une heure sur deux, je crois encore, parce que entre 25 et 30, là, ça a l'air d'être l'enfer. Donc voilà, je galère. Je fais un faux speedrun, comme t'as pu voir. On va essayer de voir si on peut y arriver. Valet de carreau. C'est en fait infaisable, hein, je pense, mais vu qu'on a du temps pour les jeux flash, vu que ça se finit le 31. Tiens, on en retrouve le 2 ou le S au carreau. On va le carreau. Alors, faut savoir coder du coup. Non, faut savoir déchiffrer. Faut avoir l'esprit en fait pour pouvoir déchiffrer. À partir du moment où tu faut savoir coder, en vrai, c'est pas savoir coder, c'est corriger des erreurs qui ont été glissées dans le code de la page web, principalement, c'est à partir du 25. Il faut savoir utiliser des bons logiciels, en fait, surtout. Mais il y a des indices qui nous aident. Là, par exemple, si je clique sur indice, c'est dame de cœur égale D. Donc, par exemple, ça, c'est bien. Dame de cœur égale D. Ah, du coup, là, par exemple, A, B, C. Mince. On avait 3 avec la dame de cœur. Qu'est-ce qui se passe? Dame de cœur, c'est 3. Pourquoi c'est D? Il y a un petit décalage là. On a un problème. Donc là, par exemple, ouais, c'est ça en fait. Il faut savoir pourquoi la dame de cœur elle est égale D. Et du coup, est-ce que ça veut dire que la dame de carreau elle est égale D aussi? Oui, il y a une sorte de code en fait. Là, par exemple, de 25 à 30, on a eu la modification du code de la page pour pouvoir corriger une erreur. On a eu de l'hexadécimal et du décimal à modifier. Il y a du XOR qui est un système de code apparemment qui permet d'exclure certains trucs. Il faut se rappeler des indices enfin, il faut se rappeler des anciennes énigmes pour pouvoir corriger les futures, etc. Et en fait, c'était de la cryptographie. Là, j'espère qu'on a passé parce que ça fait deux, trois. Trois streams où on est sur des trucs où c'est très compliqué. Donc là, j'espère qu'on a passé ça, parce que là, c'est vrai que c'est un peu complexe. Alors, on va essayer peut-être de les ranger par famille. Je sais pas si en les rangeant par famille, ça va changer quelque chose, mais. Dame est au-dessus. Roi. Ça, c'est dame, ça. Ça, c'est valet. Dame de trèfle, ça devrait aller là. Donc 6-6, ça c'est dame de pique, roi, hop, roi de carreau, et hop, cœur ici.
Voilà, donc 1, 5, 6, on ne sait pas. Ensuite, on a la dame. Donc ça, c'est la dame de pique qui est ici. Valet de pique qui est ici. Alors là, par exemple, il y en a certaines qui vont au-dessus et d'autres non. Ça, c'est très étrange. Du coup, par exemple, ça, c'est carreau. Ça, c'est trèfle. Carreau. Ouais, on sera là à 21h pour continuer la frise. Donc si t'es là à 21h, c'est très bien. Moi, je me casse la tête tout seul, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'ai un peu choisi, là, sur le coup. Alors, du coup, roi, 1, 3, 2. 1, 3, 2. 5. Donc, ça, c'est pique. Et là, on sait pas. 6. 6. 2. Ou S. Ensuite, on sait pas. 3. 6. Mon Dieu. Et on m'a dit que le dé de cœur égale à 3. À D. Est-ce qu'il faut que je relance cette page là pour voir? Alors, dé de cœur, c'est la première. D. Si D c'est 3, ça veut dire que. Si D c'est 3, ça voudrait dire que. Il y a un petit décalage là dans l'alphabet, non? Il y a un décalage de 1. Ça voudrait dire que le valet de cœur c'est F. Que le roi de carreau c'est bah forcément A ou Z. Ça c'est A ou B ou ouais A. Wow. Compliqué. Et du coup, est-ce que le valet c'est un S? Parce que c'est pas vraiment un S en fait. Jeu de cartes, c'est marqué. Ok. Carte, ok. Dame de cœur égale D. Est-ce que c'est parce que ça commence par un D? Ça fait D dur. Non. D, V, R, V. Donc là, déjà, la forme, je pense pas qu'elle nous aide. C'est juste pour montrer qu'il y a toutes les cartes et que, voilà. Si ça, c'est la plus forte et ça, c'est la plus faible, ça pourrait être ça aussi. Parce qu'elle est en dessous. Ça voudrait dire que là, il y a 0, on sait pas ce que c'est. Là, on sait S ou 2, 3... 6. C'est moi qui suis nul en alphabet ou bien? J'ai du mal à essayer. Bon, attendez. Hop. On va écrire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et là, à partir du moment où on y arrive, alors 1, 2... On sépare un peu, histoire que ce soit un peu plus joli. Voilà. Là, je me suis trompé. Hop. Je suis pas sûr que ce soit ça, hein, mais ça se tente.
Donc D3. Alors déjà là par exemple on a un problème de décalage clairement. Ok. Je vais peut-être agrandir ça. Hein. On va peut-être faire un petit peu plaisir pour qu'on voit tout. Voilà. Et je monte un peu. Voilà. Donc, petit test, niveau 30. Hop, on enregistre. Donc, si D c'est 3, G. Alors. G c'est 6. Si D c'est 3, G c'est 6. Donc, il y a 2G. 3G. Ce qui est un peu bizarre. Il y a 5 qui serait F. Il y a 1. Et là, ça devrait être Z. 20... Ouais. B plutôt. Bon, alors, si... on va faire des suppositions. Bim, bim. Alors, 6, on a dit, c'est G. Donc, potentiellement, c'est G ici, G là. Et G là. 3, on a dit que c'était D. Donc là, on suppose que D, c'est aussi un hop. Deux, ça serait C. C, ça fait pas une. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que ça fait pas un mot, clairement. Et cœur, pique et D de pique, voilà. On a un problème de cœur et de pique là. Voilà. On n'a pas de 4. Et on a l'impression que ça va jusqu'à 6. Compliqué, compliqué, compliqué. Donc ça, on avait dit c'était B. Et du coup, le 5, ce serait F. Mais c'est clairement pas ça. Hein. S'il y a un petit décalage, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a un truc à faire avec. Avec vu qu'on peut les déplacer, il n'y a pas juste le fait que ce soit caché, je pense. Par exemple, si je fais 1. Disons que ça c'est 2. Ça c'est 3. Donc hop, on va ranger. Il y a un seul 1, je crois. Oui. Ça c'est 2. Il y a 3 là. Il n'y a pas de 4. Donc ça fait 1, 3, 5. On a un 5 ici. Là, il y a un autre 3. C'est une autre dame. Là, il y a un autre 2. C'est un autre valet. Là, il y a un autre 6. Alors ça, c'est un 6. Donc ça devrait être là. Ça, c'est 6 aussi. 6. Et là, j'ai 3 vides. Donc j'ai roi, dame, valet. Déjà, c'est pas mal, hein? Ouais. Donc logiquement, Dame Valet, ça devrait être ici. Si c'est comme ça que ça devrait se passer. Si on fait une sorte de solitaire. 6, 6, 6. 666. Ah! Le B. C'est un B là. Je viens de découvrir qu'il y avait des lettres. Ah non, c'est le R. Mais pourquoi c'est écrit barré dessus? On dirait qu'il y a écrit un truc sur chaque lettre. Hector. Oui, c'est les noms. Alors du coup, on avait dit D de cœur, c'est... Alors, dame de cœur, c'est D. Judith. Ah oui, 3, troisième lettre. Ok. Ok, c'est troisième lettre. Troisième lettre du nom. On va enlever tout le reste. Bam. Bam.
Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Donc il faut deviner. Alors là, la première lettre de. Comment il s'appelle lui? C'est un C, je crois. Il s'appelle César. Donc le roi de carreau, c'est C. Alors on va le mettre en sûr, parce que pour l'instant, pour moi, c'est sûr ça. C'est possible que ce ne soit pas sûr. En tout cas, ça, c'est sûr. Ça, le D, c'est sûr. C'est la troisième lettre de Judith. Ok. Ensuite, on a deuxième de Hector, c'est E. Hector, c'est valet de carreau. Voilà. Hop. E. Je pense que c'est ça. Lui, c'est Lancelot, donc LA. Trèfle. Donc c'est un A. Ok. Donc les deux, c'est bon. Ça, on ne les a pas encore. 3 de Judith. Donc c'est le D de Judith. Ok. Le D de cœur, c'est le troisième aussi. Et c'est Rachel, c'est C. Celui-là est plus simple pour l'instant. Judith, Rachel, ok. Cinquième de David, DAVID, c'est une D, donc c'est roi de pique. Quoi? Je me suis trompé de roi? Pourquoi j'ai mis C? C'est lui là, C. C'est roi de carreau. Mais roi de carreau c'était 1, oui, c'est ça. Hop. Roi de carreau. Et D. Oh non. Oh, je sens mal. Je sens un code là encore. David. Alexandre, sixième. Donc Alexandre, c'est trèfle. A-L-E-I-X-A-N. A. Du coup. Alexandre. A-L-E-X-A-N. C'est N, Alexandre. Ok. Je vérifie hein, en cas où je me trompe. Le roi de trèfle, pourquoi j'ai mis déjà le A? C'est pas celui-ci? Si, j'ai déjà mis, du coup. Quoi? Comment je sais que j'ai déjà mis? Bon, bref. Hop. Comment s'appelle? Andrea? Dame de pique, comment elle s'appelle la dame de pique? Athéna. C'est ça? J'arrive pas à lire. Ouais, c'est possible que ce soit ça, hein. Bon, on va vérifier. Une nouvelle fois, dame de pique, à toi l'honneur. Est-ce qu'elle a d'autres noms? Ou c'est juste Athéna? Parce que si c'est juste Athéna, c'est bon. Appelée Pallas, possible référence à la déesse grecque Athéna. Elle s'appelle Pallas. Il y a marqué Pallas. Je suis pas sûr. Celle-ci, je suis pas sûr. Valet, il s'appelle. Il s'appelle comment? L'autre? Valet de Kicker? Valet de cœur? Comment il s'appelle le valet de cœur? L'Aïr. C'est ça, il y a marqué l'Aïr. L'Aïr. Ok. Donc alors le valet de cœur, c'est. Valet de cœur. 6. LAHIRE. E. Ça va être un code, je sens. Parce que là, il y a trop de A et trop de D et trop de C.
Ok. L'AIR, c'est bon. Alors, on va juste recliquer sur elle. Palace. Donc, là, c'est écrit Palace. Donc, logiquement, ça devrait être écrit Palace aussi, là. On dirait pas un P, c'est ça le problème. On dirait un A, donc c'est Athènes. J'ai du mal à... Queen of Spade. Oui, c'est ça, c'est Queen of Spade. Mais non, c'est pas pique, c'est trèfle. Oh, je suis bête. Dame de trèfle. Je pense qu'il doit y avoir qu'un seul nom cette fois-ci. Argine. Voilà, Argine. Donc, on va recommencer. Dame de carreau, c'est bon. Valet de carreau, c'est bon. Nous, on est à Dame de trèfle. Voilà, trèfle. C'est 6. A, R, G, I, N, E. Donc, c'est E. Pique, on avait dit, c'est Palace. Elle est au pique. Elle est là. C'est celle qu'on sait pas. Bon, vérifions tout ce qu'on a. Parce que là, j'ai l'impression qu'il en manque de ce que j'ai noté. Oui, le valet de trèfle. Le valet de trèfle. Tu t'appelles comment, valet de trèfle? Lancelot, on a dit. Oh, mais je l'ai déjà fait celui-là aussi. C'est le deuxième. L-A. Donc c'est A, Lancelot. Valet de trèfle. A. Ouais, il faut que je recommence tout, hein, parce que là, faut que je vérifie tout, là. Oui, après, c'est normal qu'on n'ait pas les deux autres. Donc, Dame de cœur. On va la mettre de côté. Dame de cœur, Judith, c'est la première, c'est D. Celle-ci, elle est obligatoire. Ok. Valet de cœur. On l'a fait apparemment, valet de cœur. Vérifions valet de cœur. Valet de cœur, c'est... Ah oui, c'est Lahir. Lahir. L-A-H-I-R-E. C'est bon. Ok. Roi de carreau. C'est le premier. Et lui, c'est César. Donc, César, roi de carreau, C. Ok. Valet de trèfle, on a dit, lui, c'était Lancelot. Lancelot, je vérifie. Deuxième, A. On est d'accord. Ensuite, roi de pique. Roi de pique, il est où le roi de pique? Il est là. Roi de pique, il s'appelle David. Donc, le roi de pique, c'est David, c'est un D. D-A-V-I-D, on est d'accord. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue. David, 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 David. Ensuite, roi de pique, c'est bon. Dame de trèfle. Dame de trèfle. On avait trouvé que c'était. Dame de trèfle, c'était. Comment on s'appelait déjà? Argine, je crois. C'est Argine. Argine. Donc, Dame de trèfle, c'est 6. A-R-G-I-N-E. Et on a mis E, c'est bon. Vérification, c'est bonne. Oh, roi de trèfle, lui, c'est Alexandre. A-L-E-X-A. Attends. A-L-E-X-A-N. Du coup, c'est roi de trèfle, c'est N. Parce que c'est. Voilà. C'est la seule qui change. Ok. Ensuite. Dame de carreau. X-A-N, oui, c'est ça. 6. Ok. Dame de carreau, Rachel. R-A-C, c'est bon. Et ensuite, Hector, qui est notre valet de carreau. H-E. Ok. Donc maintenant, il nous reste à trouver celle-ci. Et on a déjà pas mal de trucs. Donc, on a 0 de ça, 0 de ça, 0 de ça. En fait, il faudrait trouver ces trois-là. Donc le roi de cœur, le valet de pique et la dame de pique. Donc logiquement, déjà, si on peut les trouver comme ça, ce serait bien. Ok, donc on va chercher dame de pique, du coup, palace. Donc logiquement, la dame de pique, c'est palace, c'est une des lettres de palace. Quelque chose comme ça. Hop. Le valet de pique.
C'est Ogier. Ah c'est... Oui c'est pique, oui c'est bon. Dame de pique va être pique et roi de cœur il nous faut. Roi de cœur je crois que c'est Arthur, non? C'est pas Arthur roi de cœur? Non, il a marqué chaque chose. C'est pas Charlemagne. C'est pas bizarre. Si? Charles. Roi Charles. Ok, donc du coup on a Charles. Ok, alors du coup, on va essayer de re-ranger tout, parce que je pense que c'était rangé au début. Hop, donc le premier c'est D. Valet de cœur c'est DE. Ah oui, c'était dans l'ordre en fait. DK. DKDA. DKDA. DKD. DKDA. Década, décadé. Ça fait un peu décadence hein, comme mot. Vas-y, on va essayer décadence. Décadence. Je suis pas sûr que ça s'écrive comme ça en plus. La vérification décadence avec un E. On va écrire comme ça, on va voir ce que ça donne. Oh, c'était ça. Ah, il fait un bruit. C'est un morse. Je vais enlever le truc. Je vais enlever le son aussi. Hop. Petite pause dans Euronews. La nouvelle star de la chanson. C'est un morse, on est d'accord? Ah oui, il faut traduire en morse, ok. Il y en avait deux cours. C'est un morse, ouais. Je suis fort en animaux. Compliqué, on va devoir traduire du morse là, cette fois-ci. Donc on se garde ça sur le côté, sur le coude. S'il vous plaît, on veut bien un fond. Je pense que le moment où il fait oh, je pense que ça c'est la fin. On n'a pas un, voilà. Mais pourquoi il y a toujours des... Voilà. Garder ça ouvert. Compliqué, hein, mais on va y arriver. J'ai rajouté la fenêtre que j'ai fermée, que j'ai ouvert, que je... Donc jeu de cartes, c'est bon. On va mettre à jour ça. On a besoin de ça. Ouais, juste regarder l'indice hein, pour se faire plaisir. Ce n'est pas un phoque. Oh, 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 oh. Ok. Du coup.
Je vais sans doute devoir ouvrir de quoi noter. Ouais, des cadences, heureusement que, hein, que je suis fort que je suis fort au je sais pas quoi d'ailleurs. Alors on va garder ça ouvert en fait. Bam. Et on va le mettre de l'autre côté. Donc là le jeu, c'est de reconstruire. À l'oreille, ça va être compliqué. Je vais passer en bas. Niveau 31. Je vais même écrire la réponse. Alors, je vais essayer de faire des points et des... Ça, c'était deux points, ça. Un long. Deuxième long. 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 Deux cours. Cours. Là, c'est la fin. Ok, alors on va voir. Hein. Du coup, deux cours au début. Alors ça pourrait être un M. Alors ensuite, il y a un court, un long. C'est peut-être un A. Après un M, peut-être. Ah, faut faire les espaces, oui. J'ai oublié de faire les espaces. On va attendre qu'il fasse on, et après c'est bon. On fait les espaces. Ouais, c'est parti. Long. Long. Espace. Enchaîner. Espace. Espace. Voilà. Ok. Le dernier, c'est la fin. Donc deux longs. On avait dit que c'était M. C'est bon. Un long, un court. C'est A. On avait raison au début. Deux longs, un court. Deux longs, un court. Deux longs, un court. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Je vois un N. Deux longs, un court. Je vois pas deux longs. Ah oui, G. Ça va être magasin, c'est ça. C'est ça que vous me dites. Je suis en train de chercher pour magasin. Donc G, deux courts. I, magie. C'est ça? Et J, magie. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, c'était rapide, hein. Bravo à tout le monde. Heureusement que je connais un peu mieux le morse. Je connais pas du tout le morse. Et ça, c'était facile, celle-ci, elle était facile. Je suis très content. Merci. Je dois écrire magie en haut, j'imagine. Magie.html. HTML, excusez-moi. Ah, j'ai fait un point d'exclamation là, on est dans la sérieusité du truc. Oh la fatigue. C'est là qu'ils exposent une de mes œuvres. Alors ça, c'est des codes de géolocalisation. Enfin, c'est des codes des points cardinaux. Ce qui est bien, c'est que maintenant, je vais pouvoir refaire la même chose que ce qu'on a fait avec le morse, là. C'est que au lieu de faire le morse, je vais pouvoir ouvrir la page Google. Alors, attention, on va se noter de tout. Encore une fois, parce qu'on est maintenant on est des auteurs, on est devenu auteur. Je pense que c'est pas mal. 32. Du coup, il faut qu'on note les 74. Je vais remettre la musique hein, parce que ça nous manque un peu. Voilà.
Non. Qu'est-ce qui se passe? Reviens en arrière. Reviens à zéro. Je reprends le truc. Hop, hop. Voilà. Je paste, je colle. J'appuie sur Entrée. Et c'est parti. Donc 74, 046. 12. Ensuite, 40, 69, 0,18. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir, du coup, juste aller chercher dans Google. Mais qui suis-je au fait? Ah oui, c'est vrai que c'est là qu'ils exposent. Bah, on va regarder les expositions. On va ouvrir Google. Et on va écrire ce qu'on cherche. Donc, c'est Nord et normalement, ça devrait être Nord quelque chose. Là, je vais juste taper ça. On va voir ce qu'il va nous donner. 40, c'est ça? Ouais. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est une île. Alors attention, on va continuer à regarder. Hein. C'est le triangle des Bermudes, c'est ça? Non mais là on est d'accord. C'est exactement ça. Hein. Ah non, 18. Là, il a corrigé en fait. 04, 04 ici d'ailleurs. Pourquoi il a corrigé autant? On va revenir un peu en arrière, hein, 2 minutes. Mais... Ça n'a pas l'air de marcher avec Google. J'ai vu qu'eux ils utilisaient Terra Server, on va regarder. C'est quoi ce Terra Server? Ouais, mais bon, c'est pas exactement ce qu'on cherche, nous, en fait. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'on trouve Google. Comment ça s'appelle? Earth. Peut-être que Earth va nous aider plus. Je vais agrandir la page. Hein. Vas-y, lance. Attention, la ressource, ça va faire mal. Hein. Ah, ça va faire très, 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 très mal. Donc, s'il y a des drops, c'est normal. C'est une bonne idée. Hein. Ça y est, ça y est, ça commence à se lancer. Je regarde un peu les drops de frame. Bon, patientons devant cette bonne page de Google Earth. Ouh là là, ça commence à rame. Ça rame de ouf. Ça rame de ouf. Ça rame de ouf. Bon, on a quitté parce que ça ramait de ouf. On va aller hop. Hop.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il nous dit, voilà le plan, super. Mais le problème, c'est que c'est pas ça. Je suis pas sûr que ce soit ça. Il y a toutes les réponses! J'ai cherché juste le truc. Ah, ils le font au Japon? Ah, mais c'est trop bien s'ils le font au Japon. Non! Trop bien! Salut les Japonais! J'ai l'impression qu'ils sont en train de s'énerver sur ouverture facile. Aïe 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 aïe. Ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Bon. Ok. Recherchons encore une fois. Bon, c'était rigolo ce petit passage. On va checker. Et on va sans doute refaire une pause, hein, parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça fait tout, déjà 2 heures en fait. Ouais, ça fait déjà 1 heure, bientôt. On n'a pas beaucoup avancé, mais on va faire une petite pause encore. Histoire que je puisse aller aux toilettes. Bon. Ouais, c'est bien mignon, mais en fait, là, le truc, c'est un peu vide, quoi. En plus, c'est la merde de Baran. Mais d'accord, mais on est où là sur la carte? Est-ce que ça n'a pas l'air d'être la réponse? Ou sinon, on fait open map. Comment s'appelle open street map? Peut-être qu'on aura plus de. Parce que je sais que la géolocalisation sur Google Maps, elle est bizarre, on dirait qu'ils l'ont fait tout seul. Alors que Open. Ouais, après, est-ce que c'est OpenStreetMap, c'est partout? Oui, merci. Ok, je vais rechercher comme ça. Bam. Désolé, mais rien ne correspond à votre recherche. Bah d'accord. On est d'accord que c'est nord-est, ça devrait être. Alors, des points de géolocalisation, comment on appelle ça? C'est des points de. Parce que là, en fait, c'est pas exactement le nord, nord-sud-est, etc. Coordonnées GPS, ouais. C'est latitude et longitude. Donc là, on va chercher par ça. Donc latitude, ça devrait être 76, 74, et longitude, et voilà. Et donc là, il transforme. Mais non, mais t'as tout transformé là. T'as tout transformé, mais t'as rien du tout. Rien du tout de ce que j'ai mis. Waouh! Rien du tout, il a rien du tout mis de ce que je voulais. On va recommencer parce que coordonnées GPS là il est un peu bizarre. Et pourquoi Paris? Parce que en fait moi je m'en fiche de Paris. Voilà, donc là il me dit la mer de Barents encore. Par contre c'est écrit sans doute comme ça. Ok. Donc là si je dois le mettre ici, ça voudrait dire que ici c'est 0,4. Et là, c'est 612. Si ça, c'est 4069 ici. Et 0,18. Si c'est ça. C'est toujours la mer des Barents. Ok. C'est pas les degrés décimales du coup. Bah si, logiquement, c'est ça. C'est latitude là. Et là. Et la mer de Barents, c'est quoi? Donc là, on est au bon endroit là. C'est quoi ça? Pourquoi on est au. Quoi? Bah, on va chercher mer de Baran, je sais pas. On va lire un peu. Ah bah on vient de passer les 2 heures. Juste petite pause, 3 secondes, histoire que j'aille aux toilettes. Et j'arrive. A tout de suite. Je vais mettre juste la pause. A tout de suite.